Elle est là, discrète, omniprésente. En France, la vie sauvage investit chaque parcelle du territoire. Soumise au cycle de la lumière, elle a son propre rythme, dicté depuis toujours par la grande horloge de la nature. Pour les animaux et les plantes, la France est une terre d'exception, un pays unique. Ses climats contrastés et la richesse de ses paysages accueillent une étonnante diversité d'espèces, du bord de mer jusqu'en haute montagne. La vie sauvage est là, parfois insoupçonnable et pourtant si proche. Elle a sa propre loi, s'adapter pour survivre. Partir à sa rencontre, c'est retrouver la pulsation des saisons. Réveiller les émotions les plus intenses. Ressentir la puissance des éléments. Et découvrir un autre visage de la France. L'hiver enveloppe toute la France. C'est le temps du silence, du repli et du dénuement. La vie sauvage semble en sursis. La lumière se fait rare, le froid tenace. La grande horloge de la nature tourne au ralenti. Survivre. Puiser dans ses ressources, s'adapter à des conditions extrêmes. L'épreuve est longue, difficile. Pour lutter contre la violence des éléments, chacun déploie sa propre stratégie. Animal ou végétal, beaucoup se réfugient plusieurs mois dans le grand sommeil. En écho au rythme de l'hiver, le cœur des marmottes bat très lentement. La température de leur corps a baissé. Leurs fonctions vitales sont réduites au minimum. En hibernation, les marmottes ne dépensent presque plus d'énergie. Protégé par son épaisse fourrure, le renard roux ne craint pas le froid. Campagne, forêt ou haute montagne, quel que soit son territoire, le renard est un opportuniste, un champion de l'adaptation.
Au sommet des Alpes, la principale menace de l'hiver, c'est le manque de nourriture. Pour lui, comme pour les bouquetins. À l'autre du territoire, l'hiver n'est pas le même pour tous. Des milliers d'oiseaux migrateurs trouvent refuge sur les plages de la baie de Somme, de Bretagne ou de Vendée. Une mystérieuse horloge interne les pousse à quitter le nord de l'Europe où ils ne trouvent plus de quoi se nourrir. Le long des côtes françaises, les conditions sont plus clémentes et l'on peut apaiser sa faim. Sur les étangs gelés du centre de la France, pêcher devient une affaire d'équilibre. Il faut négocier avec la glace. Entre grands échassiers, la concurrence est rude. L'hiver a ses coups de colère. Le fracas de l'avalanche rappelle la puissance implacable des éléments. La vie sauvage repose sur une équation fondamentale, un équilibre fragile permanent entre la vie et la mort. Tout peut basculer à chaque instant. Le sort tragique des uns offre un peu de répit aux plus opportunistes.
Les premiers rayons du soleil stimulent la nature. Peu à peu, la cadence se modifie. Jour après jour, le mécanisme de l'horloge bat plus fort, plus vite. Avec la fonte des neiges, une onde de vie traverse le pays. Partout, les paysages se réveillent. Le monde sauvage retrouve sa liberté de mouvement. C'est l'heure des premiers ébats, les premières joutes amoureuses. Dans la plaine de la Beauce, les lièvres se lancent à la poursuite des femelles. Le printemps n'est pas encore arrivé, et déjà le campagnol s'aventure à l'air libre, sans savoir que les prédateurs guettent la moindre imprudence. Tout sens en alerte, la renarde chasse à l'approche. Les renardeaux ont à peine 3 semaines. Leur mère les toilette et les allaite jour et nuit. Ils ne sortiront au dehors qu'à l'âge de 2 mois.
La nuit bruisse et palpite. Le monde nocturne possède son propre rythme. Il frémit lui aussi au renouveau qui s'annonce. Début mars, les amphibiens jouent les éclaireurs. En campagne comme en ville, en forêt comme en plaine, ils sont des millions à rejoindre les plans d'eau. Mission impérieuse, se reproduire. Et tous les coups sont permis. C'est le grand rendez-vous du début de printemps. Fin du grand sommeil, des silences glacés. Toute la nature s'ébroue et se met à chanter. L'aube est un moment privilégié de la journée. Moins exposée au regard des hommes, la vie sauvage s'active dès le point du jour. Partout, la symphonie des oiseaux annonce le changement de saison. Chaque espèce a son répertoire, sa mélodie, son langage. Les journées s'allongent. À l'équinoxe de printemps, la durée des jours et des nuits s'équilibre. Le soleil gagne du terrain. Il est la source d'énergie indispensable à toute forme de vie. Avertis par la lumière et la chaleur naissante, insectes et reptiles sortent lentement d'hibernation. En Provence, la tortue d'Hermann émerge elle aussi de son long sommeil, à son rythme. C'est une espèce protégée que l'on trouve aussi en Corse, la seule tortue terrestre de France. La chaleur du soleil va bientôt lui redonner toute sa vitalité. Tout s'accélère et le printemps enchaîne les rendez-vous. Le végétal s'épanouit dans les campagnes comme dans les jardins. Perce-neige, anémone des bois, les premières fleurs sont de la fête. En quelques jours, la nature retrouve des couleurs.
à peine éclose, déjà visitée. Le bourdon terrestre est l'un des tout premiers butineurs. Son cycle vital est parfaitement calé sur celui des saisons. Tout juste sorti d'hibernation, le bourdon n'a pas de temps à perdre. Il doit trouver un terrier et s'y installer pour fonder sa colonie. Après l'éclosion des fleurs, c'est au tour des arbres de se gorger de sève. En quelques jours, les feuilles s'offrent au soleil. En captant ces rayons, les plantes transforment la lumière en énergie. C'est le prodige de la photosynthèse. Les paysages se transforment. La France se pare dans de nouveaux habits. Au pied des falaises bretonnes, l'univers sous-marin échappe en partie à la frénésie du printemps. Moins sensible à l'influence des saisons, mers et océans forment un monde à part qui évolue à son propre rythme. Souple et agile, le phoque gris ne craint pas les variations de température. Il est protégé par son épaisse couche de graisse. Sous l'eau, la loi fondamentale de la vie sauvage reste la même. Manger ou être mangé. Dissimulée dans le sable, la lotte chasse à l'affût. Thank you.
Chez les oiseaux, le cormoran huppé est l'un des premiers à parader. Très vite, la saison des amours bat son plein. Tous rivalisent de séduction. Le ballet nuptial ouvre en beauté la période de reproduction. Dans le maquis provençal, les tortues d'Hermann se font rares et les rencontres sont aléatoires. Trouver un partenaire relève du coup de chance. Diversité des paysages, diversité des espèces. La conquête du printemps gagne désormais le pays tout entier. En haute montagne, climat oblige, les tétralyres entament tout juste leurs parades amoureuses. Pour les marmottes, l'heure du réveil a sonné. La fin de l'hibernation est une remise en route délicate. En léthargie depuis de longs mois, leur métabolisme se réactive progressivement. Thank you.
Sur les plages de l'Atlantique, le ciel chavire. Des millions d'oiseaux se suivent, se doublent et se rejoignent dans le chassé-croisé complexe des migrations. Certains retournent vers leur Sibérie ou leur Scandinavie natale. D'autres, arrivés d'Afrique, s'installent un peu partout en France. La migration est un phénomène mystérieux où se mêlent l'instinct, l'apprentissage, l'endurance et la mémoire. Comme si chaque oiseau était programmé. Pas question de flâner. Pour les spatules de la bête somme, comme pour beaucoup d'autres oiseaux, il est temps de construire un foyer pour préparer les futures naissances. Chacun sa technique, chacun ses matériaux. Tous sont des as du bricolage, des spécialistes de la récupération. Car c'est dans le nid que tout va se jouer. Certains oiseaux, comme les macaremoines en Bretagne ou les guêpiers en Provence, creusent un terrier pour accueillir leur progéniture. Tout est enfin prêt. L'instant crucial est imminent. Dans le terrier du Bourdon, l'éclosion de la première ouvrière fonde l'avenir de la colonie. En quelques semaines, le miracle de la vie se propage dans tout le pays.
changement de rythme. Les nouveau-nés n'ont qu'une obsession, manger. Ils imposent aux parents une cadence infernale. Le calendrier des naissances ne doit rien au hasard. Au printemps, la nourriture est abondante. C'est la saison idéale pour accueillir autant d'affamés. Toute cette vie est un trésor fragile, aussitôt menacé. Les jeunes sont des proies faciles. La sélection naturelle est implacable. Vie et mort se côtoient dans un éternel mouvement de balancier. Pour défendre leur nichée, mouettes et foulques passent à l'attaque. Harcelé de toutes parts, le héron cendré finit par s'enfuir. Fin mai. Les renardeaux sortent maintenant seuls du terrier, sans jamais s'en éloigner. En jouant, ils développent leur agilité. Des rapports sociaux se créent. Ils découvrent leur environnement
aiguisent leurs sens, apprennent à s'affirmer. Les lapins, eux, s'adaptent. Un talus, un rond-point ou même un terrain de golf. Si l'homme l'accepte, l'animal peut s'installer à peu près partout. Seule règle, la présence d'un prédateur pour maintenir l'équilibre. Apprentissage, instinct et mémoire comme base fondamentale de la survie. La renarde enterre une proie au fond du terrier. Les jeunes regardent, apprennent, imitent, mémorisent. Au crépuscule, le hibou grand-duc surveille son territoire. L'été approche et les nuits sont de plus en plus courtes. Les noctambules prennent discrètement le relais, tout sens en éveil. Dans l'obscurité, ce n'est pas la vue qui prime, mais l'ouïe, l'odorat, la sensibilité aux moindres vibrations du sol. Il faut se fondre dans la pénombre, voir sans être vu, redoubler de prudence ou de vigilance pour surprendre l'autre ou pour lui échapper. Dominant les chasseurs de l'ombre, la lune se dévoile en majesté. C'est l'astre le plus proche de la Terre, une pièce maîtresse du mécanisme universel qui joue à cache-cache avec le soleil depuis les origines. Thank you.
Le monde sous-marin abrite lui aussi une faune nocturne. Sèches, calmars, des prédateurs agiles chassent à travers des nuées de proies phosphorescentes. La révolution de la Terre autour du Soleil expose la France à l'ensoleillement maximum. Les rayons bienfaiteurs éblouissent tout le pays, des bords de mer jusqu'en haute montagne. C'est l'époque des hommes migrateurs. Ils se dispersent sur tout le territoire et se déplacent en nombre vers la mer. Le rythme de la nature s'apaise et se stabilise. C'est la saison de l'épanouissement et de la plénitude. Le temps de la langueur et des bains de soleil, chacun profite des acquis du printemps. Les plaisanciers sont juste de passage. C'est à peine s'ils soupçonnent la vie qui foisonne dans les criques de la Méditerranée. Dans les eaux peu profondes, l'univers sous-marin profite lui aussi des bienfaits du soleil. Le long du littoral corse, les herbiers de Posidonie ont besoin de la lumière pour se développer. La plante est un refuge pour une multitude d'espèces, de l'hippocampe au mérou, en passant par les sards. Thank you.
La mer est un berceau, une matrice. En son sein, le moindre changement de température peut déclencher la vie. De micro-organismes, de larves et d'œufs en suspension composent le plancton, premier élément de la chaîne alimentaire sous-marine. Limpide de la Méditerranée, aux flots puissants de l'Atlantique, de l'infiniment petit au gigantesque, la mer garde ses secrets. Aussi impressionnant qu'inoffensif, le requin pèlerin trône à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Dans les eaux bretonnes, ce géant qui peut atteindre 12 mètres de long n'a qu'à ouvrir la gueule pour avaler le minuscule plancton. La lune et le soleil conjuguent leurs forces d'attraction et provoquent les marées. Cette pulsation, cosmique et quotidienne, représente le plus spectaculaire des mécanismes terrestres. Entre les rochers du littoral atlantique, la vie discrète des trous d'eau s'est adaptée aux flux et reflux de l'océan. Ces viviers naturels abritent de petits mondes. La curieuse morphologie du crabe vert souligne son adaptation au milieu. Protégé par sa carapace, équipé de pinces puissantes, ce crustacé familier est un habitué des trous d'eau. Dans la nature, tout est interaction, entre les espèces et entre les milieux où elles évoluent. Du monde sous-marin au monde terrestre, les échanges ne sont pas toujours cordiaux, et le plus grand n'est pas forcément celui qui gagne.
Sur la plage, le petit peuple des sables s'agite à deux pas des serviettes. Les vacanciers sont loin d'imaginer la diversité de ces voisins minuscules. Ces monstres miniatures ont la beauté du diable, la vitesse ou la patience des grands stratèges. La mort rôde entre les grains de sable. Au creux de l'entonnoir, le fourmilion guette ses proies. La tente est son arme fatale. Il peut rester dissimulé plusieurs semaines et même plusieurs mois avant qu'une victime ne tombe dans son piège. La vie sexuelle de certains animaux se prolonge en été. Charançon, coccinelle, gendarme, grenouille ou libellule. L'érotisme sauvage se décline dans toutes les positions. Dans les espaces protégés des Alpes, bêtes sauvages et visiteurs font bon ménage. Tout près des randonneurs, les jeunes marmottes n'hésitent pas à se donner en spectacle. Les parents sont toujours sur le qui-vive, mais leur vigilance est parfois prise en défaut. L'aigle royal est un redoutable chasseur. Mais comme la plupart des prédateurs, il ne chasse que pour se nourrir, jamais pour le plaisir. Au cœur de l'été, les prairies des Alpes ou des Pyrénées ont encore une allure printanière. Le festin des butineurs est avant tout une fête solidaire. La nature fonctionne par échange de services. C'est la réciprocité du vivant. Les fleurs offrent leur nectar, les insectes essaiment le pollen. Les fleurs sont fécondées. À chaque saison, ses couleurs. En été, elles sont vives et chatoyantes. Des touches de rouge et de bleu ponctuent les clairières et les champs du bocage.
colonie des Bourdons est maintenant à l'apogée de son cycle. Nourrir la reine, transporter le pollen, surveiller les alentours du terrier. Des centaines d'ouvrières s'activent dans une folle effervescence. Les butineurs jouent les invités surprises. Tous sont inoffensifs. Si l'été est la saison des pique-niques, c'est avant tout celle des insectes. Certains engrangent déjà des provisions pour l'hiver. Les fourmis amassent des milliers de graines, d'insectes morts et de débris végétaux. Le dôme de la fourmilière sera leur château fort pour résister à la saison froide. Comme tous les jeunes mammifères, les marcassins font leur apprentissage. En suivant leurs parents, ils enregistrent et traitent une quantité d'informations quotidiennes. Dans quelques semaines, les jeunes sangliers seront autonomes. Même logique pour les renardeaux. À force d'exemple, ils posséderont bientôt les outils nécessaires pour conquérir leur propre territoire et affronter seuls les lois de la vie sauvage. Sous le soleil du mois d'août, la Loire déroule son large ruban d'eau douce. C'est l'un des derniers grands fleuves sauvages d'Europe. En été, les eaux sont basses. À l'ombre des peupliers, une vie discrète vibre en surface. Symbole vivant d'une nature enfin protégée, un animal remarquable explore les bras du fleuve. La loutre chasse à nouveau dans les eaux de la Loire.
pour la loutre comme pour les cervidés, entretenir son pelage est autant un plaisir qu'une nécessité. Au bord d'un étang du Berry, le bain de boue les débarrasse de leurs parasites. D'un jour à l'autre, le soleil resserre ses griffes. La Provence étouffe, suffoque de chaleur. Sans froid, sans chaud, quelle que soit leur nature, les animaux régulent leur température en fonction de leur environnement. Ils choisissent leur place au soleil. L'été impose des conditions extrêmes et joue avec le feu. La mort, la vie, comme toujours. La tortue d'Hermann n'a pas pu s'échapper. Pourtant, lorsqu'il est naturel, le feu est salutaire. Les cendres fertilisent la terre et participent à la renaissance des végétaux. Enfouis dans le sol, des germes de vie ont résisté aux flammes. Demain, dans 10 ans, la nature retrouvera son équilibre. Thank you.
Les orages annoncent la fin de l'été. Grande voyageuse, l'eau ruisselle et s'infiltre partout. Elle pénètre la terre et fait circuler l'énergie. Après la pluie, l'humidité révèle et diffuse mille odeurs. Les petits explorateurs et les maraudeurs solitaires retrouvent leur chemin familier. À l'équinoxe d'automne, la nature change d'humeur. C'est la saison miroir du printemps, celle où tout s'inverse. Lentement, le rideau tombe, le soleil baisse la garde et le tempo de l'horloge ralentit. Les couleurs persistent. La frénésie des butineurs a porté ses fruits. Partout dans la campagne, les baies rutilent. Plus tard, au printemps, leurs graines donneront naissance à de nouvelles plantes. En attendant, les baies seront l'ultime ressource de tous ceux qui vont affronter l'hiver. D'une semaine à l'autre, l'automne clôt les grands cycles de la nature. Les pionniers du printemps sont les premiers à disparaître. Dans le terrier des Bourdons, la colonie s'est éteinte, les ouvrières sont mortes. Mais les reines de demain ont trouvé refuge sous la terre, fertile. Elles attendront les beaux jours pour assurer à leur tour la survie de l'espèce. En haute montagne, les températures chutent plus vite qu'en plaine. L'ombre hivernale enveloppe les sommets. Les marmottes regagnent leur terrier. Elles aussi ont bouclé la boucle. Le grand sommeil les attend pour une autre nuit de 6 mois. Thank you.
Les jours raccourcissent et la baisse des températures influence aussi les grands mammifères. Pour que les fans naissent au printemps, c'est maintenant qu'il faut s'accoupler. En forêt, le cerf brame pour séduire les femelles et pour défier ses rivaux, comme le faisaient déjà ses ancêtres il y a 500 000 ans. En octobre, la nature s'offre un dernier festival de couleurs et l'arbre se métamorphose à nouveau. Le soleil, de moins en moins présent, l'incite à faire des économies d'énergie. Il s'installe dans la tente. Avec la chute des feuilles, l'automne se pose en douceur. Les feuilles mortes ne sont pas perdues pour tout le monde. Leur matière organique va bientôt s'altérer, pourrir. De minuscules ouvriers participent à ce lent travail de décomposition. Leur action entretient l'humus, régénère le sol et enrichit la terre. Pour l'écureuil, comme pour tous les autres rongeurs, plus de temps à perdre. La nature sera bientôt moins généreuse. Il faut faire des réserves et aménager son logis.
migrateurs sont de retour. Comme des centaines de milliers d'autres oiseaux, les grues cendrées descendent vers le sud. Certaines resteront en France jusqu'à la fin de l'hiver. Une année entière s'est écoulée. L'horloge a fait un tour complet et le cycle des saisons s'apprête à recommencer. De l'océan à la haute montagne, de la campagne à la forêt, une multitude d'espèces habitent la France sauvage. Chacune est à sa place dans le grand puzzle du vivant. Toutes partagent avec l'homme un même territoire. Des plus communes aux plus rares. La nature est précieuse, forte, fragile, et nous en faisons partie. La vie sauvage nous invite. Commençons par ouvrir les yeux.